Les services, mais au contraire, on va essayer de faire en sorte que ces services travaillent ensemble. Le président de la République a écrit à ses homologues en leur disant que l'implication française et éventuellement l'accroissement de l'implication française devait être examiné dans une approche globale. Cette approche globale consiste à considérer que la solution n'est pas uniquement militaire. Les forces nucléaires indépendantes du Royaume-Uni et de la France. Et c'est dans cette perspective-là que la France réfléchit à l'augmentation de ses moyens. Et c'est cela qui sera discuté à Bucarest, et c'est à Bucarest que les choses se décideront. Je pense que les forces de l'Alliance, de l'ISAF, ont un contrôle global de la situation militaire, ce qui n'empêche pas, bien entendu, des attaques de talibans sur telle ou telle place. Il y a en effet quelques zones sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, parce qu'on n'y a jamais mis de moyens. Mais là où nous sommes capables à tout moment de prendre le contrôle de la situation militaire, ce qui n'empêche pas, bien entendu, l'action des talibans, etc. Mais bien entendu, on revient à la même question. Même si vous avez le contrôle militaire, ça ne suffit pas. Il faut qu'en même temps, il y ait un plan d'accompagnement qui permette aux Afghans, progressivement, de créer les conditions de leur propre développement et donc de leur propre autonomie et de prendre en main leur destin. La France s'inscrit dans une double perspective. La première perspective, c'est l'Europe de la défense, faire en sorte que l'Europe puisse avoir des moyens autonomes lui permettant de mener des opérations militaires, j'allais dire robustes, que l'Europe n'a pas vocation à être simplement l'agence civile de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'une démarche qui se situe en contradiction, en opposition avec l'Alliance Atlantique, mais qu'une soit une démarche qui soit en complémentarité. J'irais même mieux, c'est une démarche nécessaire pour renforcer la totalité des moyens de l'Alliance. Bien souvent, nos amis américains reprochent aux Européens de ne pas prendre une part suffisante.